vous souhaite un bon dimanche de grâce avec notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le pasteur Abinyapi de l'église de la communauté unie en Christ de New York. Bonjour, pasteur. Soyez bénis, nous allons prier. Prends gloire au Seigneur. Père, que ça nous te bénissons, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore pour vraiment annoncer ta parole, pour que les uns et les autres puissent vraiment se conformer à ta parole. Ceux qui nous écoutent éternellement, Dieu, qu'ils puissent vraiment être imprégnés de cette parole et naître de nouveau, accepter le Seigneur comme leur Seigneur Sauveur, afin qu'ils deviennent des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, avec l'esprit vraiment nouveau. Merci de ce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Donc, ceci étant, je reviens à votre question pour dire qu'un homme né de nouveau, c'est un homme mature. Alléluia. C'est un homme mature. La maturité n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à l'église. Voilà, un homme mature, il est vraiment serein, quelle que soit la pression, alléluia, quelle que soit la pression, quelle que soit la situation, quelle que soit l'humiliation, en tout cas, il a la maîtrise de soi, c'est cela, un homme mature. Voilà, il y a beaucoup vraiment de vertus, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Ok. Alors, un homme mature, la maturité vient de ce que nous sommes nés de nouveau. Est-ce que cette maturité ne peut pas se manifester à travers la parole, le langage de la personne? Voilà. Donc, bon, je veux vraiment introduire par Jean chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème, qui va avec votre question, la maturité spirituelle. Donc, la Bible dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voici, donc Nicodème, c'est un pharisien. Je vais vraiment vous démontrer la cardinalité de Nicodème. C'était un pharisien, il connaissait la parole de Dieu, il était familier avec elle. Parce que lui-même il dit ici que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc il sait que Jésus est Dieu, il connaissait la parole et il était familier avec la parole. Sa carnalité également, c'est qu'il était docteur de loi, il enseignait les autres. Ce que je peux aussi ajouter, c'est qu'il était le chef des Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la justice vraiment des pharisiens, constituée de 70 membres. C'est celui qui était le chef. Alléluia. Donc, pourquoi Jésus lui a dit vraiment de naître de nouveau? C'est-à-dire qu'il est venu de nuit. Il est venu de nuit. Connaissant Jésus, il est Dieu, il est venu de nuit. C'est-à-dire que. Pourquoi il est parti de nuit? C'est une belle question, alléluia. C'est une belle question. Merci. Voilà. Parce que, justement, il est celui-là même qui peut entériner toutes choses. Parce qu'il est le chef des Sanhédrins. La justice. Celui qui peut dire aux gens: Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait. On n'a pas à mettre la main sur lui. Parce que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, tout ça, ils viennent pour saisir de Jésus. Donc, il est bien placé pour dire que Jésus est Dieu. Parce que lui-même, il le reconnaît ici qu'il est donc venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que ces miracles qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. Donc, il sait que Jésus est Dieu. Donc, pour ne pas que les gens, les pharisiens, les gens le voient, alors il vient le voir la nuit. Donc, ça fait ressortir les gens, les actes, les gens posent. Qui connaissent l'écriture, mais qui ne veulent pas se conformer à l'écriture, qui sont hypocrites. C'est l'hypocrisie. Il ne veut pas que les gens le voient. Quand bien il sait que Jésus, vraiment, il a la pluie, il est Dieu. Donc, c'est pourquoi il veut le voir de nuit. Voilà. Donc, ce que je peux faire ressortir ici, en répondant à ta question, qu'est-ce que la maturité? La maturité, quand une personne est mature, c'est une personne qui confesse sa foi, quelle que soit l'humiliation, quelle que soit tout ce qui s'oppose,
mais il glorifie, il fait une déclaration qui ressemble à celle de l'aveugle-né. Les gens lui disent, mais quel est ce faux prophète-là? Tu dis qu'il t'a guéri. Mais cet aveugle-né là pouvait dire que s'il est un faux prophète, je ne sais rien. Mais je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc, quelqu'un qui est mature, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances de la vie, mais il sait que mon Dieu pourvoira mes besoins. Mon Dieu, il est fidèle. Alléluia. C'est la transformation. C'est la transformation. La transformation, le changement de langage. Le changement de langage. C'est ça. Est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître un homme né de nouveau ou sinon une personne mature, spirituellement? Justement, c'est une bonne question. Il y a des signes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, les signes sont apparents. Les signes, en tout cas, sont manifestes. C'est en cela la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quelqu'un qui était bavard, par exemple, qui était bavard, maintenant, il a la maîtrise de soi. Quelqu'un qui vraiment répondait aux gens du tic-tac. Maintenant, vraiment, il a la maîtrise de soi. Il a la tempérance. Il est doux. Il a la douceur en lui. C'est cela. Donc, en tout cas, il y a des signes qui il y a des signes. C'est aussi une personne de prière. Voilà, justement, c'est une personne de prière qui a soif de la prière. C'est ça. Parce que quelqu'un qui ne prie pas, c'est un peu comme le cimetière est plein de gens qui, vraiment, c'est un silence plat. Mais maintenant, quelqu'un qui ne prie pas, il est comme quelqu'un qui est mort, qui est au cimetière. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il y a la vie en lui. Il y a la vie en lui. Alléluia. Il y a la vie en lui. Et il y a une nouvelle vie qui se manifeste certainement. Voilà, il y a une vie qui se manifeste. Quelle est cette voilà, vie? Je voulais vraiment entendre la réponse, vraiment la question qui veut dire que quelle est cette vie-là qui est en lui? Alléluia. Quelqu'un qui est né de nouveau, il y a la vie en lui. Alléluia. Donc, quelle est cette vie-là? C'est-à-dire qu'il est franc, il y a la franchise. Voilà, il n'a pas une double personnalité. Il y a la vie en lui, le Saint-Esprit qui est en lui. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Donc, il y a la franchise. Voilà, il n'a pas une double personnalité. Mais quand bien le Seigneur Jésus dit, quand vous faites le vœu, il faut le tenir. Quand tu fais des promesses, il faut que ça tienne. Alléluia. Ça ne sert à rien de faire des vœux qu'on ne veut pas, on veut pas vraiment respecter. Donc il y a la franchise. Alléluia. Et il y a... Que sont ces franchises? Par exemple, s'il est avec un ami, un frère, une sœur, il lui dit les choses en face. Alléluia. C'est cela être chrétien. C'est cela naître de nouveau. Parce que celui qui n'est pas de nouveau, il va parler derrière. Yeah. Alors que quand tu aimes quelqu'un, tu lui parles franchement. C'est cela. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Parce qu'il y a des conflits. Mais la Bible dit que ce que les gens disent dans les ténèbres, la Bible dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table. On allume justement la lampe pour qu'elle soit placée sur la table, pour que justement elle puisse éclairer les gens. Alléluia. De la Bible nous encourage. Ce qu'on dit dans les ténèbres, il faut le dire comment sur le feu. Alléluia. C'est en cela que celui qui est né de nouveau, il est une lumière. La Bible dit que nous devons être la lumière du monde. D'accord. Mais des fois aussi, il y a des. Qu'est-ce que vous dites de ces. Comment on appelle, conséquences de nouvelles, de vie nouvelle, de nouvelles créatures, je dirais, des personnes converties, vraiment. Comme vous l'avez expliqué, il y a une transformation. Mais qui fait que ces personnes sont rejetées. Alors, qu'est-ce qu'on peut déceler en cette personne? Alléluia. Alléluia. Je voudrais vraiment répondre par une parole. Alléluia. Amen. Par une parole. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est très important. Voilà. Parce que la Bible dit que quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Je lis également ici dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux,
Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça, c'est très important. C'est dans Matthieu chapitre 5, après le verset 11. Donc, c'est une bonne chose. Alléluia. Parce que justement, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est mature, il fait beaucoup plus face à l'adversité, aux épreuves, aux difficultés. C'est en cela qu'on peut jauger notre foi. Mais ce n'est pas ça qui effraie certaines personnes pour accepter le Seigneur. Parce qu'ils disent, ah, quand on est chrétien, on devient pauvre, on a des problèmes, on a ceci, on a cela. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, voilà. Mais justement, nous devons vraiment nous attendre à ces choses-là. Mais le Seigneur Jésus nous dit ici que heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc quand nous parcourons la Bible, les prophètes qui ont été avant vous ont souffert. Quand nous voyons également dans le Nouveau Testament, il y a d'autres qui sont morts. Il y a les Étienne, il y a des gens qui sont morts. Jean-Baptiste, et tous, ils sont morts à cause de la parole de Dieu. Alléluia, nous aussi. Et Jésus, notre Maître Jésus lui-même, il nous a donné vraiment l'exemple. Il est mort à la croix. Et la Bible dit que nous aussi, nous devons prendre notre part de sacrifice. Donc, la Bible dit également que représentent les quelques afflictions, les quelques épreuves que nous avons ici-bas devant cette félicité, devant la vie éternelle. Alléluia. Donc, si nous sommes insultés, si nous sommes éprouvés à cause de Jésus, nous devons nous réjouir à cause de son nom. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit que celui qui aura honte de moi, j'irai aussi honte de lui auprès de mon Père. Alléluia. Donc nous devons vraiment faire tout ça. Il y a beaucoup de passages vraiment à lire. Nous lisons également dans Philippiens chapitre 4, verset après le verset 11. Je sais vivre vraiment dans l'humiliation. Alléluia. Je suis content de l'état où je me trouve. Même dans l'humiliation, dans la persécution, dans toutes sortes de problèmes, je suis content. Parce que Jésus fait tout à travers Jésus, je fais tout. Alléluia. Donc, nous sommes à Télé Colombe, la télévision chrétienne francophone amie. Nous sommes avec le pasteur Robin Ami. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle naissance, ce que c'est que naître de nouveau. Voilà. Alors, pasteur, quel message vous pouvez adresser à tous nos frères et sœurs, ou tous les spectateurs? Quel conseil vous leur donnez? Voilà, le conseil que je vais donner là, c'est que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui fait de Jésus son Seigneur, son Sauveur, il doit effectivement être une nouvelle créature. Alléluia. Quelqu'un qui est né de nouveau, en tout cas, il est un homme de paix, une personne de paix. Là où il y a des conflits, là où vraiment il y a des souillures, les gens font des choses dans les ténèbres, dès qu'il arrive, il est un homme de paix. Alléluia. Il est un homme de paix. Et vraiment, il apaise toutes choses. Donc, quand on est né de nouveau, on est chrétien, ça ne doit pas être du bout des lèvres. Et je le dis, je le répète encore, ce n'est pas celui qui déclare être chrétien qui est chrétien. Mais on doit voir des signes. Alléluia, on doit voir des signes. Le Seigneur Jésus, il dit qu'il jugera les actions secrètes de chacun d'entre nous. Tout ce que nous faisons dans le secret, tout cela sera porté au grand jour, un jour devant le jugement de Dieu. C'est ce message que je voulais vraiment communiquer aux uns et aux autres. Le Seigneur Jésus dit qu'il est réservé à nous de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et la Bible nous dit également que chacun portera son fardeau. Alléluia. Il n'y a pas ton papa qui va porter ton fardeau. Il n'y a pas ta maman. Il n'y a pas ton époux, ton épouse. Il n'y a pas ta soeur, ton frère. Mais il n'y a que toi. Chacun portera son fardeau. Donc c'est le message que je peux vraiment communiquer aux uns et aux autres. Chacun doit vraiment travailler à son salut avec crainte et tremblement. Je voudrais vous amener dans Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 35. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 35, où l'Éternel nous dit la parole, nous dit « À moi la vengeance et la rétribution. » Alléluia. Dieu lui-même dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Donc si nous sommes dans la parole, personne ne peut se venger. Alléluia. Personne ne peut se venger. Et le Seigneur Jésus. Donc nous devons vraiment confier toutes choses vraiment à Dieu.
Alléluia. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, personne, par notre juge, notre Dieu est un juste juge. Celui qui juge tout ça, il est au contrôle de l'univers. Et nous lisons également dans Romains chapitre 8, verset 28 et tout cela. Alléluia. C'est lui qui contrôle les événements. Alléluia. Donc, ça, ça s'adresse aux chrétiens. Donc, voilà. Alléluia. Voilà. Donc, tout cela. Donc, à Dieu la vengeance. La Bible dit que nous savons du reste que tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous savons du reste que tout ce concourt, à travers ça, nous voyons que Dieu est au contrôle des événements. Il n'est pas surpris par les événements qui se passent vraiment ici-bas sur la terre. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Alléluia. Donc, il dit également quelque part, selon dans sa parole, que qui de vous, par ses soucis, peut ajouter une goutte à la durée de sa vie? Donc, par les soucis, les problèmes de toutes sortes, là, nous ne pouvons pas les régler nous-mêmes. Donc, un chrétien doit vraiment crier à son Créateur. Parce que le Créateur, il est au contrôle des événements. Et quand nous lisons la Bible dans Daniel, Dieu nous a parlé d'avance pour les événements qui vont vraiment avoir lieu sur cette terre de façon chronologique. Dieu nous a parlé d'avance à travers Daniel chapitre 2, à travers la statue de Daniel, lui à la statue de Nebuchadnezzar. Les événements politiques qui vont avoir lieu sur cette terre, Dieu nous a déjà parlé d'avance. Nous voyons également dans le chapitre 7 la vision des quatre animaux. Dieu nous a déjà parlé d'avance ces quatre animaux, c'est-à-dire les quatre empires qui vont vraiment, les quatre rois, les empires qui vont vraiment se succéder sur cette terre. Dieu nous a parlé d'avance. Alléluia. Quelle attitude devrait avoir à lui tout le peuple de Dieu? Le peuple. Quelle était l'attitude de Daniel? Daniel, il a toujours crié à Dieu. Ouais. Il a crié à Dieu. Parce qu'il a dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc quand les magiciens, les sorciers, tous ces gens ne pouvaient pas vraiment interpréter ces rêves-là, ils ont appelé Daniel, en qui il y avait l'Esprit de Dieu. Et quand ils ont appelé Daniel, le roi, ils ont appelé Daniel pour déchiffrer, décoder ces visions, ces rêves-là, Daniel ne s'est pas tapé la poitrine pour dire que je suis celui le même capable de déchiffrer. Mais il s'est retiré, dit, remettre, mais le roi, donne-moi quelques jours. Et il s'est retiré pour crier à son Créateur. Et son Créateur, qui est le maître des temps des circonstances, lui a révélé, lui a fait voir les rêves, il a décodé tout cela et il a expliqué ses visions au roi. J'invite les uns les autres de lire Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7 pour voir tout ça. Et bien avant que ces événements prennent place, nous avons connu ces quatre empires, l'empire babylonien, l'empire mède-perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Et nous sommes aujourd'hui sous le vestige de l'Empire romain. Et nous sommes à la fin des temps. Et en lisant le chapitre 7 de Daniel, nous voyons, l'Éternel nous dit que pendant que cet Empire romain va faire toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, pendant ce temps-là, il y a une pierre qui se détache de nulle part et qui vient frapper et tout cela. Cette pierre-là, c'est Jésus. Jésus, il est le rocher. Jésus qui vient. On dit que son règne est sans fin. Donc, c'est Jésus qui vient, son royaume est d'éternité en éternité. Donc, en tant que chrétien, Dieu nous a parlé à travers sa parole à lui. Il nous a révélé ces événements qui vont vraiment se succéder de façon chronologique. Donc, en tant que chrétien, né de nouveau, imprégné de la parole de Dieu, nous restons tranquilles et nous crions à notre Dieu. Alléluia. Quoi qu'il en fasse, et c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc voici un peu la réponse à votre question. Voilà. Chers amis, nous restons tranquilles et nous crions à l'Éternel. Nous crions à notre Dieu, au rocher, celui qui est suspendu et celui qui vient frapper ces empires qui viennent perturber le monde. N'est-ce pas, pasteur? Voilà. Alléluia. Je voudrais encore ajouter. Quand Jésus, pendant son ministère, quand les principaux sacrificateurs sont venus saisir Jésus, un des disciples, c'est-à-dire Pierre, il a enlevé son épée dans le carquois pour arracher l'oreille d'un des sacrificateurs. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit?
Il dit, remets ton épée en place. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et Jésus, il a pris l'oreille du sacrificateur et il a recouru. Alléluia. Et il s'est tourné vers Pierre pour dire, ne voudrais-tu pas que la prophétie s'accomplisse? Parce que ce que Dieu a déjà prophétisé d'avance, ça doit nécessairement s'accomplir. Alléluia. Donc ce que je viens de dire là, Daniel, toutes ces prophéties-là doivent s'accomplir. Donc en voyant toutes ces choses-là, nous devons que rendre gloire à Dieu, rester en prière, lui confier toutes choses-là. Amen. Amen. Le nom de Dieu est chrétien, doit vraiment bénir le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que, quelle que soit ta situation, tu ne peux rien faire par tes propres forces. Tu ne peux pas régler la situation par tes propres forces. C'est Dieu qui est au contrôle. Voilà, merci pasteur, je suis très heureuse de vous entendre parce que ça confirme quelques passages de mon témoignage que j'ai fait concernant ma nouvelle vie. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes avec le pasteur Arabe Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ de New York. Voilà. Chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est Télé Colombe, la télévision chrétienne francophone en ligne, avec le pasteur Rabbi Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ, au micro de J. Fate. Voilà, ça c'est mon nom, Jeannette Fate, parce que la foi s'est manifestée en moi. Merci pasteur. Alors, on va se retrouver dans une semaine ou deux pour un autre sujet d'édification. Merci encore. Que Dieu vous bénisse.